prison, qu'il attend son exécution, Paul veut en vraiment encourager Timothée à persévérer, à ranimer la flamme du don de Dieu et à poursuivre sa mission. Timothée, reprends courage. N'aie pas honte de souffrir avec moi pour l'évangile. On va lire la suite de 2 Timothée 1, les versets 8 jusqu'au verset 18. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. La honte peut se vivre de deux manières différentes. La première, je me rappelle de ma deuxième fille, Lise. Et l'année dernière, elle s'est présentée aux élections du conseil municipal des jeunes. Vous connaissez ça? Ça existe dans vos villes? Voilà, dans certaines villes, il y a le conseil municipal des jeunes. Alors, elle a dû présenter un beau projet, écrire des choses, faire des pancartes, etc. Et elle a mis tout son cœur pour faire ça. Et elle a présenté le projet devant tous ses camarades de classe qui étaient là. Le vote a lieu. Le résultat tombe. Elle n'est pas élue. Elle est face à tous ses camarades debout. La honte et les larmes commencent à l'envahir. Deuxième situation de honte que nous pourrions vivre. Vous avez triché sur votre déclaration d'impôt. Et vous avez donc moins payé d'impôts. Pendant plusieurs années, vous passez en dehors des mailles des contrôleurs des impôts et vous avez arrivé plutôt à bien gérer cela dans votre tête. Mais un jour, les impôts vous rattrapent. Surtout en ce moment, ils sont terribles. Votre délit devient public et vous êtes découvert. La honte tombe sur vous. Lorsque l'on parle de honte, on peut identifier deux sortes de honte. Une honte qui est justifiée, comme la honte d'être démasqué dans son intention de voler les impôts. Et une honte qui n'est pas justifiée, comme la honte de ne pas être élu au conseil municipal des jeunes. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Timothée, la honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. La honte de l'Évangile, c'est une honte injustifiée. Pourquoi ? Parce que ça produit dans nos têtes, verset 7, ce qu'on a vu juste ce matin, un esprit de timidité que Dieu ne nous a pas donné. Un esprit qui n'a ni force, ni amour, ni sagesse pour l'Évangile. Le contraire de la honte, c'est la fierté.
pas dans le sens orgueilleux, mais dans le sens noble et public. Je suis fier de ma femme, je suis fier de mon église, je suis fier d'être français, camerounais, congolais, espagnol, américain, anglais, fier d'être parisien. Non ? Oui. Timothée, tout comme ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice ont été fiers de l'évangile, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui. Paul est en prison à cause de sa fidélité à l'évangile, mais également pour l'évangile. Et c'est ce qu'il dira aux Philippiens. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Avoir honte de voir Paul en prison à cause de sa fidélité à l'évangile n'est pas une honte qui est justifiée. Voilà ce que dit Pierre, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui, ou comme volant aux impôts. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Prêcher l'évangile à l'époque de Paul et de Timothée, tout comme ça l'est d'ailleurs encore dans certains pays aujourd'hui dans le monde, c'est prendre le risque d'être emprisonné et parfois même condamné à mort. Bien-aimé, Dieu est honoré par la fidélité de Paul. Dieu est honoré par la fidélité des chrétiens persécutés qui, à cause de leur foi et de leur zèle pour l'évangile, sont jetés en prison ou tués en Syrie, en Chine, en Corée du Nord. J'ai parfois l'impression que notre liberté d'aujourd'hui est plus un danger pour nous avant d'être elle-même en danger. Vous avez compris ce que je viens de dire ? En fait, la liberté que nous avons d'inviter, de parler de l'évangile à nos voisins, à nos amis, la liberté que nous avons de nous réunir le dimanche ou même de venir faire un week-end d'église comme celui-ci, d'ouvrir une Bible ensemble, sans être embêté, de prier ensemble, notre confort, cette aisance et cette liberté que nous avons finit, en fait, je remarque en tout cas, dans notre église, par engendrer une certaine inertie, une lenteur dans notre fonctionnement. Remarque aussi que notre confort finit par nous aveugler. On devient parfois des chrétiens gâtés, feignants, centrés sur nous, sur nos envies. Et j'aime bien la remarque de John Piper dans son excellent livre qui s'intitule « Que les nations se réjouissent ». Voilà ce qu'il dit. Il dit que la persécution peut avoir des effets néfastes pour l'Église. Mais il semble que la prospérité ait un impact encore plus dévastateur sur la mission à laquelle Dieu nous appelle. Bien sûr, l'idée n'est pas de rechercher la persécution, mais de nous méfier de la prospérité, de la facilité et de l'aisance dans laquelle nous vivons et qui souvent nous endort et détourne de la mission que Christ nous a tous confiée. Mon cher Timothée, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Paul utilise son propre exemple pour motiver Timothée. Timothée, si tu veux être à fond dans le ministère, tu souffriras. C'est pas tu vas peut-être souffrir, c'est tu souffriras. La souffrance est une réalité du ministère et de la vie chrétienne plus largement. Paul le redira plus loin à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Qui a décidé de suivre Jésus ce matin ? Réfléchissez bien. Mais mes amis, suivre Jésus signifie que chaque fois que l'obéissance à Christ l'exige, nous sommes prêts à accepter la trahison. Nous sommes prêts à accepter le rejet. Nous sommes prêts à accepter les railleries, à renoncer à ses propres biens, les coups, et même la mort. Souffre pour l'évangile. Mais Paul rajoute quelque chose.
pas seul ou pas avec tes propres forces, parce que franchement, tu n'iras pas bien loin. Mais souffre pour l'Évangile avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas par la puissance de Dieu, ce n'est que par la puissance de Dieu, que par son Saint-Esprit, que nous pouvons réellement suivre Jésus. La puissance de Dieu, elle est infinie. Elle permet d'avancer, de tenir ferme lorsque c'est dur. Elle est fiable. Elle tient ses promesses. Parfois, elle est éclatante. D'autres fois, plus discrète ou silencieuse, mais pas moins agissante. Excusez-moi. La puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière extraordinaire. Paul lui-même a supplié Dieu de le délivrer de choses douloureuses qu'il devait porter, ce qu'il appelle son écharpe dans la chair. Mais Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul a répondu, dans 2 Corinthiens, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Timothée, reprends courage. Souffre avec moi pour l'Évangile de Christ. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressés à saint appel, non à cause de nos œuvres. Timothée, rappelle-toi, nous sommes sauvés par grâce et non par nos œuvres. Nous sommes sanctifiés par la foi et non par nos œuvres. Tu as été appelé par Dieu par grâce et non à cause de tes œuvres. Dieu est celui qui sauve. C'est également celui qui appelle à son service. Timothée, souviens-toi de ton appel. C'est par la volonté de Dieu que moi-même, Paul, j'ai été apôtre. Ça n'est pas moi qui ai décidé un beau jour de l'être. Ce ne sont pas des émotions ou des sentiments qui guident ou qui créent un appel. C'est Dieu qui appelle et qui crée l'appel. Timothée, je ne fais que répondre à mon appel. Voilà dans Acte 9, mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix » en parlant de Paul, « afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Timothée, c'est lui qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus, avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Par grâce, notre destinée à tous a été déterminée par Dieu avant les temps éternels. Avant la fondation éternelle, avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1:4. Ce plan divin s'est manifesté par la venue et l'œuvre de Jésus. Dieu, le créateur de toutes choses, avait déjà tout prévu avant même la fondation du monde. Dieu, le créateur, n'a pas hésité à envoyer son propre fils Jésus dans le monde pour qu'il soit la lumière du monde et le témoin de la vérité. La venue de Christ rend témoignage à la vérité. Elle scelle définitivement la vie et l'incorruptibilité de l'Évangile. Dieu, par son Fils Jésus, renverse et abolit le pouvoir de la mort de manière décisive. Timothée, dans ton découragement, rappelle-toi de cela. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui réduit à l'impuissance totale la mort qui nous est réservée à cause de notre péché. C'est par Jésus que Dieu nous permet d'accéder à l'immortalité de nos âmes, à la vie éternelle, à ne plus craindre la mort que beaucoup voudraient nous donner à cause de notre foi. Timothée, tout cela, Dieu le fait pour toi, pour nous, par pure grâce.
c'est pour cet évangile de grâce, cet évangile incorruptible et vivant que j'ai été établi, moi, Paul, prédicateur, apôtre et docteur. Je ne sais pas si vous connaissez la sauce aigre douce. Vous connaissez ? Ouais. Moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien parce qu'elle est douce en bouche. Mais alors, une fois avalée, ça décoiffe dans l'estomac. Et l'œuvre fidèle au service de Dieu, je la compare à la sauce aigre douce, en fait. Beaucoup de joie et de reconnaissance, mais également beaucoup de souffrance et de déception. Se souvenir de son appel permet une meilleure digestion. C'est ce que Paul veut dire à Timothée. Se souvenir de l'appel que l'on a reçu est parfois un bon antidote pour ne pas sombrer dans une amertume, une colère, une tristesse, voire même de tout abandonner. Après ma formation à Genève, un de mes mentors et formateurs m'a remis un courrier avec un petit objet. Je vous l'ai ramené parce que je ne me sépare jamais de cet objet. Ce n'est pas du tout un objet fétiche, hein, c'est un petit mouton. Je le mets là. Un mouton en plastique qui est toujours dans mon bureau et devant moi. Et il m'a remis un courrier et voilà ce qui était écrit. Je vous le lis en partie. J'ai la conviction que le Seigneur a sa main sur toi et qu'il t'a préparé à ce moment d'envol. Il a, je crois, un ministère important et percutant en réserve. Je suis reconnaissant du privilège d'avoir joué un petit rôle ces deux dernières années dans ce chemin préparatoire. Tu es entouré d'une famille remarquable. Je prie que tu prennes soin d'elle dans les joies et les tourments que suscitera le service de l'Église. Je prie aussi qu'elle forme un soutien et un rempart contre tous les risques inhérents au ministère. Et il m'a laissé ce verset. Prends garde au service que tu as reçu du Seigneur, afin de bien le remplir. Mes amis, ces mots-là et ce petit mouton-là, je les regardais plus d'une fois en pleurant pour me rappeler de mon appel quand c'est difficile. Mon cher Timothée, tu es peut-être découragé au fond du trou. Tu en as marre de recevoir des coups. Tu as peut-être envie de baisser les bras. Timothée, Yannick, Terry, j'essaye de me rappeler des prénoms, Laura, Edouard, Lee et tout le monde ici. Souvenez-vous de l'appel que vous avez reçu. Souvenez-vous que c'est Dieu lui-même qui vous a appelé à son service et que les hommes n'ont fait que confirmer cet appel. Par Jésus, votre appel prend tout son sens. Par Jésus, tu es victorieux sur la mort. La souffrance et même la mort ne représentent plus une menace. Elles ne marquent plus la fin de tout. Timothée, c'est parce que moi-même j'ai été appelé par la volonté de Dieu que j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul n'est pas en train de se convaincre qu'il a confiance en Dieu. Il ne récite pas un credo ou la confession de foi de son Église. Mais bien aimé, la confiance que Paul a en Dieu est uniquement le fruit de sa relation étroite, vivante et continue qu'il a et entretient avec lui. Paul a clairement choisi de soumettre sa vie à Dieu. Déjà, avant Paul, ont connu ce que Paul a vécu. Joseph, Jérémie, Daniel, Jean-Baptiste, Pierre, et ils n'ont pas eu honte. Timothée, même Jésus que nous servons tous les deux, n'a pas eu honte d'être crucifié sur une croix entre deux brigands. Finalement, la plus grande honte que nous pouvions avoir pour la cause de l'Évangile.
n'est-elle pas le plus grand honneur que nous puissions avoir devant Dieu? Paul a vécu des années d'épreuves douloureuses, des situations impitoyables pour son corps et ses pensées. Mais dans tout cela, il a vu Dieu à l'œuvre. C'est ce qu'il dira un peu plus loin à Timothée. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, chapitre 4, versets 17 et 18, afin que la prédication soit portée par moi. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, ce qu'on a lu tout à l'heure, et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alors Timothée, reprends courage et place ta confiance en Dieu. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en moi, en nous. Un moyen que Dieu nous laisse pour reprendre courage, c'est sa parole. Mes amis, appartenir à Christ, c'est une chose. Nous sommes en sécurité. Mais négliger sa parole, son autorité, son modèle, sa vérité, c'est prendre le risque de voir notre confiance s'affaiblir, jusqu'à produire le découragement. Ipsos a publié un sondage en 2012 ou 2014, j'ai plus l'année exacte en tête, qui affirme que 74% des évangéliques lisent la Bible une fois par semaine. Ce chiffre, pour moi, est relativement inquiétant et bas. Mais ce que l'on appelle lire la Bible peut aussi poser d'autres questions. Et j'aimerais faire une parenthèse ici concernant la parole de Dieu et les moyens modernes que nous avons. Tout comme il me semble important de parler d'hygiène alimentaire, 5 fruits et 5 légumes par jour, il me semble important de parler aussi d'hygiène biblique. Beaucoup de chrétiens connectés pensent méditer la Bible ou la parole de Dieu parce qu'ils sont exposés à des bribes de la parole de Dieu de façon régulière, ce qui peut que nous réjouir, hein. Et je pense qu'il y a quand même un problème. Un chrétien qui se contenterait de ce type de nourriture serait en fait, à mon avis, gravement sous-alimenté. Et le danger lorsqu'on est sous-alimenté, c'est que nous n'arrivons plus à faire la part des choses entre ce qui est de la vérité de Dieu et ce que les hommes pensent. Et les conséquences de ça sont parfois dramatiques, même dans nos églises. Le plus tragique dans les nombreux scandales qui nuisent aux évangéliques aujourd'hui dans nos églises, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'églises et de gens qui se disent chrétiens, mais qui fassent si peu de cas de ce que la Bible nous dit. Au nom de l'amour, d'une bonne entente, de la paix, au sein de l'Église, au sein de la société, on admet presque toutes les théologies. Ou du moins, on s'abstient de les remettre en question. Et cela, peu importe jusqu'à quel point elles contredisent l'Écriture. Le résultat est bien triste. Mais pourtant, nous le vivons aujourd'hui. La bénédiction des couples homosexuels par certaines églises. La question de l'engagement pour l'œuvre de Dieu et ses implications dans nos vies. Oui, je veux bien être disciple de Christ, mais à la carte. Je coche ce qui m'intéresse. L'évangile de la prospérité qui enseigne qu'il faut donner pour recevoir beaucoup en retour. Jésus a enseigné à donner, mais sans rien attendre. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Timothée, reprends courage dans la foi et dans l'amour. Enracine ton cœur dans l'Évangile. Timothée, la vérité qui t'a été confiée, c'est un trésor. L'Évangile est un trésor précieux, confié à l'Église pour être gardé intact.
Ce trésor, Jésus l'a confié à Paul, qui le confie maintenant à Timothée, jusqu'à nous aujourd'hui. Notre responsabilité, mes amis, c'est de faire en sorte que notre maillon de cette chaîne-là que nous formons ne casse pas et se poursuive de génération en génération. Ce trésor, Timothée, tu ne pourras pas le garder seul. Tu ne pourras pas le faire aller seul. Seule la force du Saint-Esprit qui demeurera en toi pourra t'aider. Timothée, par le Saint-Esprit, enracine ton cœur dans la vérité de l'Évangile. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Figel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Pour que cette chaîne, mes amis, ne casse pas jusqu'à nous aujourd'hui, il a fallu que des gens fiables, comme Onésiphore, que Paul cite en exemple, il a fallu des gens fiables dans nos églises. Et il y en a. Mais nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont moins fiables. C'est le cas de Figel et d'Hermogène. Même si Timothée semble assez bien les connaître quand même, nous ne connaissons pas grand-chose d'eux, à part leur lâcheté. Figel et Hermogène, nous dit le texte, ont abandonné Paul. Ils ont eu honte de lui en prison et de l'évangile qu'il prêche et défend, l'évangile auquel nous croyons tous ce matin, j'espère. Être rejeté par notre société ou par le monde à cause de notre foi n'est jamais agréable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre contexte de vie, d'être rejeté à cause de votre foi. C'est douloureux. Mais l'abandon de frères et sœurs en Christ, engagés pour Dieu dans une église locale, qui quittent l'église pour des mauvaises raisons, c'est, je trouve, encore plus douloureux. Personne ne peut retenir une personne qui veut partir. Ben, franchement, ça n'est jamais agréable de voir des gens qui refusent ou qui ne comprennent pas toute la portée de l'Évangile. Je suis tellement reconnaissant à Dieu d'avoir dans l'église au mai, où nous servons avec Marilyn, une équipe d'anciens, un conseil d'église, des responsables d'activité, des personnes engagées dans différents ministères qui prient ensemble, qui aiment Dieu et qui se mobilisent ensemble pour mener le bon combat de la foi. Timothée, souffre avec moi et n'aie pas honte de l'Évangile. Reprends courage et ranime la flamme du don de Dieu. Le courage et la fierté de parler de Christ et de souffrir pour l'Évangile. Souviens-toi de ton appel. Place ta confiance en Dieu. Enracine ton cœur dans l'Évangile. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul à mener le bon combat. Ne sois pas inquiet. Je suis sûr qu'il fera ce qu'il a fait pour moi. Dieu te délivrera de toute œuvre mauvaise et te sauvera pour te faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. On prie ensemble.